Salut à tous, bienvenue sur NRTV Fest, sa culture aujourd'hui spéciale musique puisqu'on parlera bien entendu paléo et puis on fera la connaissance avec plusieurs musiciens et des artistes de la région. Deux d'entre eux sont d'ailleurs avec nous, ils joueront paléo le 27 juillet. C'est les membres fondateurs du Kind and Kiki Zoo. C'est juste, ouais. Je le dis juste, ouais. Pas sûr que je le dirais juste à chaque fois, mais bon, ouais. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes les fondateurs du groupe Olivier et Sylvain. Être programmé au Paléo, c'était quoi? Un rêve, un objectif? Une surprise déjà. Non, c'est ça. Non, on est content évidemment de jouer dans ce festival qu'on connaît depuis longtemps. Pas depuis sa création évidemment, mais on y a participé simplement comme spectateur de nombreuses fois à tous les âges. C'est un rêve. Toi qui es l'enfant de la région, bah, j'ai envie de dire. C'est un rêve. Je veux dire, mes parents ils m'emmenaient voir Henri Dess. Puis maintenant, c'est moi qui emmène mon fils voir Henri Dess, parce qu'il est toujours là. Mais non, tu emmèneras tes parents te voir aussi, du coup. Ah ben voilà. Exactement, le 27 juillet. Ouais. À côté de qui est-ce que vous vous réjouissez de jouer et de finalement partager les scènes? Alors moi, j'aime beaucoup avoir le bassiste sur la gauche. Non, y a énormément d'artistes. Alors après, je ne sais pas si on arrivera à faire toute la semaine. Il y a des artistes aussi sur d'autres jours qui nous réjouissent. Mais... le même soir que nous, dans la première session. Curtis Harding, c'est quand même. Il a sorti son album l'année passée. Moi, j'avais essayé d'aller le voir et puis j'avais pas réussi. Donc, franchement, c'est. Allez checker ce qu'il fait. C'est vraiment super. C'est de la soul, mais quand même très moderne. Donc, ça, c'était un rêve de le voir. Donc, c'est génial d'être le même jour que lui, quoi. On se réjouit. Nous aussi, on se réjouit en tout cas à la programmation du Paléo. Tout le monde en a parlé cette semaine. 44e édition du 23 au 28 juillet. Les programmateurs vous en parlent et nous, on revient juste après. Il y a clairement un retour du rock, j'ai envie de dire. Il y a un retour de la langue française, il y a un peu moins de la langue anglaise, mais c'est une programmation très métissée, très variée, très éclectique, du multigénérationnel. Et puis je pense que c'est ça qui est idéal pour notre événement. Dévoilée ce mardi, la programmation du Paléo annonce 80% d'artistes qui ne sont jamais venus sur le terrain de l'AS, selon le fondateur du festival, Daniel Rossella. Pour cette 44e édition, une quarantaine de figures venues du rap, un genre musical qui influe notamment sur la manière de programmer. C'est des styles de musique qui évoluent très très vite. Avant, pour monter une carrière, les artistes sortaient 2 disques, 3 disques, ça prenait 4 ans, 5 ans, 10 ans. Et les maisons de disques faisaient confiance aux artistes. Maintenant, c'est totalement différent. C'est une autre manière de programmer par rapport à des artistes que l'on programmait, qu'on programme toujours. Je pense à Patrick Bruel, qui a une carrière depuis 20 ans ou 25 ans, qui est toujours là, Hubert Félix Stéphane, Robert Charlebois, sont des artistes qui existent depuis 30 ou 40 ans. Je ne sais pas si les artistes de hip-hop maintenant joueront encore dans 30 ans. Je suis pas si sûr. Voilà, ce sont des phénomènes très différents. Et puis voilà, c'est l'évolution de la société. On jette beaucoup de choses dans notre société. Les jeunes zappent aussi beaucoup avec la musique. On est un peu dans cette société. On consomme et on jette. Et le hip-hop, l'électro, est-ce que c'est pas finalement la solution de facilité? Oui et non. C'est-à-dire du hip-hop, on en fait depuis MC Solar, depuis 25 ans, je crois, ou 30 ans. Donc c'est pas nouveau, on n'a pas attendu que ça devienne vraiment à la mode. Maintenant, voilà, c'est un style qui fonctionne bien, on en programme. C'est un peu les nouvelles rockstars, Damso, Lompa, sont des artistes qui remplissent des salles de 10 000 places. Donc voilà, on a besoin aussi de ces artistes. C'est pas, pour nous, c'est pas de la récupération, c'est la suite d'un travail qu'on fait depuis 25 ans. Je conseille vraiment à tout le monde d'aller voir ces concerts parce que le public est complètement déchaîné, l'ambiance est complètement folle, peut-être plus que sur les concerts de rock, même de rock bien énervé. Et je pense que c'est vraiment un truc à voir au moins une fois dans sa vie. Donc qu'on aime ou pas le rap, je pense qu'il faut aller voir des artistes comme Damso et Lompa cet été. Cette année, le festival crie son amour pour la langue de Molière.
développement. Mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Et la variété française était toujours très importante pour notre festival. Ça fait partie de l'ADN de notre événement. On a toujours eu énormément d'artistes. On a une grande histoire avec la variété française. Ce qu'il faut dire cette année, c'est que la langue française, elle revient pas que dans la variété, mais aussi dans le hip-hop, dans le rock, même dans l'électro. Il y a même de l'allemand dans l'électro. Donc, ces retours aux langues européennes, j'ai envie de dire, elle est frappante et pas seulement dans la variété. Enfin, Dead Obies, Cœur de Pirate ou encore Robert Charlebois chanteront le Québec à l'honneur au village du monde. On va dédier une scène, la nourriture, les boissons. Et puis on voulait montrer aussi que la musique québécoise, ce n'était pas uniquement du folk traditionnel avec des cuillères et des tapeux de pied, mais c'était aussi du rock, c'était aussi du hip-hop. Donc voilà, on voulait vraiment montrer une palette large. À noter enfin l'ouverture de la billetterie le mercredi 3 avril et les dates du festival du 23 au 28 juillet. Olivier Sylvain, expliquez-nous l'histoire de votre groupe, vu que vous êtes là et que personne ne sait vraiment d'où viennent ces fameux petits singes. Et nous non plus. En fait, ça fait depuis 2005 que le groupe existe. Ouais. Et puis, on s'est rencontrés surtout en faisant, en tournant autour du QI jazz, je dirais. C'est-à-dire que Sylvain, et puis il avait un projet basse-batterie. Moi, je connaissais Sylvain d'ailleurs, et puis en fait, il m'a dit ouais, viens, on a ce nouveau projet qui commence, on pourrait faire un truc. Et puis après, on a rencontré Marc, le clavier. Ça, c'est assez rigolo parce qu'on était justement avec le bassiste et on va dans ces caveaux des vignerons au QI Jazz. Et je vois quelqu'un que je connaissais. De vue, et j'ai dit voilà, toi tu fais du clavier, non? Il m'a dit oui, j'ai justement un Fender Rhodes et un Orgamon. C'est exactement ce qu'on cherche pour notre projet. Ça a tourné en jam dans le caveau des vignerons pendant une petite heure, et puis on dit bon, semaine prochaine, local. Et puis on a commencé à jouer depuis là. Ouais. Et en 2007, à Berlin, là, je crois que vous êtes repéré, et puis c'est de là que ça part. Les professionnels s'intéressent à vous. En fait, c'est assez bizarre, je sais pas comment, mais on est atterri dans ces soirées où les DJ passent surtout des 45 tours de boucles de jazz. C'est un peu rare groove, comme ça le concept vient de l'Angleterre. Donc on ressort des vieux vinyles de jazz, puis on ne sait pas trop si c'est des groupes existants encore maintenant ou bien des anciens trucs. Puis nous, on a toujours un peu joué là-dessus. Est-ce que c'est des rééditions? Il y a une grosse scène de réédition de vinyles 45 tours dans ce milieu. Et puis en fait, on a été invité pour une soirée complètement délirante à Berlin. Donc on a joué à 2h30 du matin, je crois. Ouais. On était le premier groupe à jouer, pour dire. Et puis, en fait, les gens avaient découvert notre musique grâce à ces 45 tours. Donc c'est là que ça a commencé à tourner un peu sur la scène internationale. Ouais. Dans votre descriptif paléo, on peut d'ailleurs lire que vous êtes plus connu ailleurs qu'ici, dans la région. Comment ça se fait finalement que vous ayez gardé ce mystère et puis quasiment été invisible ici dans la région, alors que toi-même, Olivier, tu viens de Nyon finalement? On l'a cultivé. C'est une bonne question. C'est la première fois que vous nous invitez. Non, mais en gros, c'est vrai qu'on n'est pas très bon en com. On n'est vraiment pas très bon. Après, à nouveau, on n'a pas volontairement caché notre existence au public. Parce que Nyon, ville de festival, des scènes de musique, bien que ce soit la parenthèse, l'usine à gaz. À nouveau, un groupe suisse qui joue en Suisse, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément super sexy pour les programmateurs d'entrée de jeu, je veux dire. Donc il faut quand même qu'on se crée un petit réseau, qu'on a un petit peu pour quelques scènes. Après, de là à jouer beaucoup, de toucher les médias, etc., c'est quand même pas la même chose. À l'étranger, on devient un groupe à l'étranger, ils viennent de Suisse, c'est intéressant, on va les voir. Et puis on a fait une série de concerts quand même, entre l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, la France, on a joué en Hollande, Belgique, etc. Et chaque fois, on a des gens qui sont là, qui sont curieux de venir voir ce qui se passe des Suisses qui jouent à l'étranger. Puis ça aide ici. Il y a aussi les petites scènes live, c'est-à-dire qu'en Suisse, on a beaucoup de locaux de répète, on a beaucoup de festivals en été. Il y a pas mal de studios d'enregistrement. Ça, c'est vrai que ça aide à faire connaître la musique, la Suisse en tout cas, dans le milieu de la musique internationale.
Mais il n'y a pas beaucoup de petits lives dans des bars comme ça. Il y a dans des villes en Europe, c'est plus facile de faire juste jouer un petit groupe comme ça dans les bars. Bah, les bars de la région seront contents de l'entendre. En tout cas, ils n'ont pas ouvert assez leurs oreilles, c'est ça. On est là. Mais voilà, peut-être l'occasion de se rattraper avec un extrait de votre clip Hurricane Train. On regarde et on revient juste après. Touche Kind and Kinky Zoo, c'est quoi? Sexy, rugissant, dansant, normalement, on dit, ouais. C'est ce qui fait le nom, c'est ça? C'est ce qui définit le son, en fait. C'est l'idée qu'on essaye de se donner, que notre son est avant de monter sur scène. Ouais. Ouais. Comment est-ce qu'on fait de la musique sexy? Justement. Je pense que c'est plutôt un concept. On avait justement besoin de... Non, mais ça se passe au niveau des épaules et des hanches. Voilà, quand on joue. T'es pas d'accord avec moi? Non, mais c'est vrai, la musique, c'était déjà en toi. T'avais ce swing, ce flow. Moi, l'idée, c'était d'avoir ce groupe-là. L'idée, c'était de monter sur scène et de transmettre finalement l'envie aux gens qui sont devant de bouger, de danser, d'être avec nous. C'était pas forcément nous sur scène, vous qui regardez, mais plutôt, OK, on est là. On joue, c'est comme de passer un disque. L'idée c'est qu'on le fasse ensemble finalement, et que voilà, comme quand on va en boîte danser sur de la musique, ben pourquoi est-ce que ce serait pas un live band qui fait ça, et comme ça on est tous contents. Ouais. Surtout que toi t'es assis, donc. Surtout moi je suis assis, donc je bouge beaucoup. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que du coup en tant que musicien, vous vous placez où? Les gens qui font de la musique pour faire danser en boîte, pour être sur scène, pour être dans leur local, c'est quoi les objectifs de votre groupe? Ouais, bah idéalement, bah moi, après on n'a jamais réfléchi à comment répondre à cette question. C'est vrai, vas-y. Mais je trouve ça assez incroyable quand il y a des fois des lives en club vraiment. Hein, donc, je sais pas, dans la scène électro swing, il y a eu un peu, il y a tout d'un coup des bands qui ont émergé comme ça, où ils passaient de la musique live en club et tout le monde. Et en fait, je pense que c'est pas impossible à faire avec d'autres genres. Et ça, c'est vrai que ça pourrait être cool d'essayer, si les programmateurs des salles de la région sont évidemment d'accord. Ce serait vraiment un truc où nous, en tout cas, nous, on y croit, parce qu'on a vu ça ailleurs en jouant dans d'autres villes en Europe. On voit qu'il y a une scène pour de la musique instrumentale, dansante, dans des clubs, vraiment. Donc, pas vraiment une salle de concert où on est venu pour écouter la musique directement. Et Paléo, du coup, pour y revenir, comment est-ce que vous allez vous y préparer? Alors, on va essayer de faire un bon show. De toute façon, c'est l'objectif. L'idée, c'est vraiment d'arriver avec notre musique qu'on a composée, nous. Donc, ça, déjà, c'est quelque chose une fierté pour nous aussi, de pouvoir présenter ça en plus large public, parce que là, régional. Vous avez carrément carte blanche. On a carte blanche, région, exactement. Pas, donc, on va amener deux, trois amis aussi, de manière à montrer un petit peu tout le panel de musique qu'on aime, guests, deux, trois guests, probablement des danseurs. On va concocter un petit show pour Paléo, exactement. Ouais, deux, trois guests aussi, parce que en fait, ma femme, elle est enceinte et puis elle a le terme le 2 août. Donc en fait, moi, je serais sur scène avec les clés de la donc caisse dans la poche, moment, tu vois. Voilà. Ouais. Donc si jamais pas, je dois en fait, me casser... le membre fondateur du groupe, puisqu'il sera papa. Ou alors, un accouchement sur scène, en direct. Ça peut aussi...
Ouais, alors ça, bon, ça fait une bonne histoire à raconter, ça c'est vrai. Au moins on parlera de vous cette fois, c'est sûr, on ne pourra pas y passer. Donc le samedi 27 juillet, merci d'avoir été avec nous. Et puis à très bientôt peut-être dans vos locaux, histoire qu'on puisse un peu lever le mythe volontiers. Dans tout ça. Volontiers. Avec plaisir. On continue en musique, mais cette fois-ci avec Adriano Corr. Souvenez-vous, il y a quelques mois, nous faisions connaissance sur ce plateau. À 17 ans, il plaquait tout pour vivre de la musique. Aujourd'hui, il gravit les marches du succès avec élégance aux côtés d'artistes de la région comme Fabe Griffin ou le chanteur pour enfants Gaëtan, mais surtout en solo. Il verniera d'ailleurs son nouvel EP du côté du Temple de Nyon le 4 avril. Il nous en parle. Mon nouvel EP s'appelle Drowned in Being et sortira le 4 avril et il sera verni au Temple de Nyon dans la saison des hors-murs organisée par l'usine à gaz. Cet EP contiendra 7 titres et c'est le deuxième CD de mon projet Adriano Corr qui porte mon nom, qui est en fait un mélange entre la musique électronique et le piano solo. Le but c'est de mêler deux mondes qui à la base se rejoignent vraiment pas souvent, et c'est aussi de mêler deux publics qui se rencontrent généralement pas autour d'une scène. Le premier album qui s'appelle Leap, qui est sorti en septembre 2018, je l'avais enregistré dans un studio. Là, j'ai décidé de changer un peu et de revenir un peu aux sources en travaillant avec un piano que je connais bien, qui est le piano sur lequel j'ai appris la musique. Et en fait, ce piano, dû à des événements de vie, je l'ai perdu pendant quelques années, pendant 5 ans. Et là, du coup, je l'ai retrouvé ailleurs, dans la maison de ma mère. Donc en fait, j'ai enregistré pendant 2 semaines dans une pièce, dans son salon, avec le piano sur lequel j'ai appris la musique, qui est un piano droit, donc aussi qui a une sonorité assez différente des pianos qu'on peut retrouver en studio. Le morceau s'appelle Inner Wounds, et le but de ce morceau-là, et ce que j'ai envie d'exprimer à travers ce morceau, c'est parler des bagages qu'on porte et des séquelles qu'on peut porter dans la vie. Vu que c'est de la musique qui n'a pas de parole, des fois les concepts que je propose sont un peu abstraits. Et là, le but aussi, c'est d'avoir des noms abstraits aussi pour que la personne qui écoute ça donne sa propre signification au morceau. Le jazz, c'est un style de musique, mais c'est aussi une approche. Et on m'a appris la composition, l'improvisation, et donc en fait l'expression de soi. Et c'est ça qui m'intéresse dans ma musique. Donc l'idée, c'est que c'est de la pop. C'est une musique qui peut parfois paraître écrite, mais en même temps, le but, c'est de privilégier l'instant. Pour moi, la musique, c'est la manière la plus simple d'exprimer des sentiments et des émotions. J'ai beaucoup plus de facilité à exprimer par la musique tout ça que par les mots. Et j'ai l'impression que c'est un des vecteurs les plus directs entre l'émotion et le monde, et c'est une manière d'extérioriser qui est géniale. Donc en fait, la musique, en vrai, pour moi, c'est une thérapie, très clairement. Et pour terminer, l'agenda et les dates à ne pas manquer. Le Festival international du film d'archéologie de Nyon fête ses 20 ans du 26 au 30 mars à la salle communale de Nyon. Pour son anniversaire, le FIFAN, festival organisé en collaboration avec le musée romain de Nyon, s'intéresse à l'histoire du film d'archéologie. Au programme, une quarantaine de films, des conférences et des animations offertes au public. De son côté, Vision du Réel fête son demi-siècle d'existence du 5 au 13 avril.
pour sa 50e édition, Werner Herzog comme invité d'honneur. Et du côté du village, à la rue des Marchandises, une salle de projection en plus et un nouveau lieu d'accueil viendront compléter les festivités. Du côté de la programmation, un jubilé tourné vers la mémoire et l'avenir, sous le signe de la liberté, et bien sûr les traditionnelles compétitions de films à découvrir tout au long de la manifestation. Enfin, les cinéphiles seront ravis puisqu'au menu des rendez-vous culturels, possibilité de découvrir également le Festival du Film Vert. À Nyon la semaine dernière pour sa 14e édition et à Rol du 29 au 31 mars au Casino Théâtre de Rol pour sa 5e édition. Grande nouveauté pour cette édition, des animations gratuites pour les enfants. Avec le printemps, retour du photoclub de Gland et sa traditionnelle exposition. Pour sa 23e édition, ces 18 passionnés de photographie présentent Fragments d'ailleurs du 23 au 31 mars au collège de Grandchamp. Et puis évidemment, le Paléo qui sera donc en juillet du 23 au 28. La vente des billets mercredi prochain. Kinkizo. Oh là là, c'est tellement dur. Mais je vais y arriver hein, avant de venir. Donc le 27 juillet. Merci d'avoir été avec nous. Et puis bonne suite à vous. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de culture et plus d'aventures. Salut.